Le deuxième jour, nous avons fait un détour. Un détour pour voir le Seigneur nous faire signe, pour découvrir qu'il voulait se révéler à nous et qu'il nous fallait prendre le temps d'entrer dans l'Écriture sainte pour que jaillisse la parole de Dieu. Et nous avons fait la découverte que, eh bien, cette vérité-là, c'est Jésus. Le troisième jour, nous avons cherché à accueillir un appel qui se manifeste à nous, un appel à vivre une expérience, un appel à connaître la douce joie d'évangéliser. Et nous avons découvert que cette évangélisation, c'est la transmission de la vie de l'Évangile, et que cette vie-là, c'est Jésus. Le quatrième jour, nous sommes entrés en dialogue avec le Seigneur. Nous avons découvert combien le Seigneur dialogue avec notre liberté, combien il la respecte infiniment, combien il nous faut nous exprimer devant lui et accueillir ce qu'il nous dit pour nous rendre capables, à un moment ou à un autre, de consentir et d'être envoyés. Et là, nous avons compris ce que Jésus nous dit en disant que la vérité nous rendra libres. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. L'étape suivante dans l'écoute des appels de Dieu. Une étape que nous ne pouvons pas franchir tout seuls. L'étape qui va permettre de nous laisser envoyer. Un départ, un nouveau départ, mais que nous ne ferons pas seuls, puisque nous le ferons dans l'Esprit Saint. Alors posons-nous d'abord la question de l'Esprit Saint. Qui est-il? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Bien sûr, on parle de l'Esprit Saint dans l'Écriture sainte, mais c'est souvent l'inconnu, ou parfois l'implicite, ou parfois celui dont on se dit, oui, bien sûr, il agit, mais inutile de le nommer, de l'invoquer, de le prier, de le citer. Il est là, ça nous suffit. Je ne suis pas sûr de cela. Il me semble que parfois, on gagnerait à prendre le temps de découvrir davantage qui il est, comment il agit et comment nous pouvons, davantage vivre par lui et avec lui. Pour cela, eh bien, il faut revenir quand même à l'enseignement qui nous est donné. L'Esprit Saint ne nous est pas décrit comme un simple sentiment passager. Oh, j'ai l'impression que l'Esprit Saint a soufflé. Voilà, simple sentiment superficiel, comme un coup de vent qui passe. Ou l'Esprit Saint vu simplement comme une ambiance. Oh là, l'Esprit Saint était présent. Oh, vraiment, il y avait. Ouais. Vous voyez, on prend la manifestation, on va pas plus loin. Ou bien l'Esprit Saint qui est décrit comme simplement une idée. Oui, il y a un esprit, il y a un esprit de sainteté. Voilà. Ou un style. Ah ben alors, eux, oui, ils donnent de l'importance à l'Esprit Saint. On va les qualifier de ceci, d'évangélique, de charismatique, de je ne sais quoi. Voilà. Et tout ça, on reste à l'extérieur. Or, l'Esprit Saint, c'est une personne divine. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans l'Esprit Saint. Je demande souvent aux jeunes qui se préparent à la confirmation s'ils ont reçu l'Esprit Saint. L'habitude, ils découvrent, enfin, ils savent qu'ils ont déjà reçu l'Esprit Saint, mais il en est quelques-uns pour qui l'Esprit Saint, ça n'a jamais compté. Ils sont disciples de Jésus, point barre. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que leur baptême? On est plongé dans la vie de Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Pour ça, il faut sans cesse retourner à cette découverte que nous fait faire Jésus, que l'esprit n'est pas une idée, n'est pas un sentiment, n'est pas une ambiance, n'est pas une manière d'être, que c'est une personne divine, une présence de Dieu agissante, capable de transformer les êtres, capable de bouleverser les communautés,
que cette présence-là, c'est quelqu'un à qui nous devons apprendre à nous adresser. Il me semble que tant que nous n'avons pas prié l'Esprit-Saint, invoqué l'Esprit-Saint, rappelé sa présence et sa liberté, nous risquons toujours d'en faire l'implicite. Celui qui, bien sûr, est là, puisque nous aimons Jésus et ça suffit bien. Oui, mais aimer Jésus, ce n'est pas simplement lui dire « je t'aime ». C'est faire la volonté du Père réalisée dans le Fils et présente en nous par l'Esprit-Saint. Et si vraiment nous voulons être frères et sœurs de Jésus, il faut écouter la parole et la mettre en pratique. Faire la volonté du Père. Ça, c'est l'Esprit-Saint qui nous donne de lui. Donc Jésus est ressuscité, il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il habiterait le cœur des siens, oui, mais plus par sa présence physique, mais par son esprit. Inutile de vous dire que Jésus et l'Esprit-Saint sont toujours ensemble. Mais pour bien vivre de la vie de Jésus ressuscité, de son message qui est l'Évangile, il faut nous laisser imprégner par la personne de l'Esprit-Saint, l'invoquer, lui demander de venir en nous, il ne le fait jamais contre notre volonté, et nous lui demander aussi de nous donner cette docilité à son œuvre. C'est une prière à formuler, mais après ça, ça change des choses. Si nous le prenons au sérieux, nous allons sans doute nous comporter et agir différemment que si simplement nous nous contentions de dire « Le Père, nous connaissons, Jésus, nous connaissons, et tout cela, ça nous suffit. » Donc il nous faut, pour mieux découvrir qui est l'Esprit-Saint, comme toujours, passer par l'Écriture sainte. C'est elle qui nous le dévoile, et c'est elle dont je vous rappelle qu'elle a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui peut nous aider à découvrir cette troisième personne divine, parfois bien mystérieuse, mais pourtant si vivante et si active. Qui veut bien lire le passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, un nouveau départ dans l'Esprit Saint, la page 14. À ses disciples, nous sommes dans la dernière partie de l'Évangile de Jean, le moment de l'heure, le moment où Jésus parle aux siens avant sa passion et sa résurrection, ce qu'on appelle souvent le discours d'adieu. Et il annonce à ses disciples la vie qu'ils auront à mener après la mort et la résurrection de Jésus. Cette vie, ce sera une nouvelle vie. Et ils entendent, ils reçoivent ces paroles qui doivent pourtant bien les intriguer à ce moment-là. Il annonce que le Père va prier pour donner un autre défenseur. Pas le premier défenseur, mais un autre défenseur. Pour qu'ils comprennent bien que déjà, Jésus était leur défenseur. Et que désormais, ils vont le trouver, le voir agir avec un autre défenseur. Nous reviendrons sur ce mot. Après sa résurrection, Jésus demande à ses disciples trois choses. La première, c'est de garder la parole. Garder la parole, c'est pas simplement garder une trace écrite de ce qu'il a dit, hein. C'est vraiment vivre de ses paroles. Garder les paroles, c'est garder les commandements, c'est les mettre en pratique. C'est se laisser transformer par eux. Les disciples ne sont pas des enregistreurs, des simples scribes de la parole de Dieu. Ce sont des témoins vivants d'une vie de l'Évangile qu'ils mettent en pratique, ou du moins qu'ils cherchent à mettre en pratique. Et c'est cela, garder la parole. Si nous sommes disciples du Seigneur,
Nous n'avons pas simplement à savoir que la parole existe ou à la connaître avec une certaine culture chrétienne, nous avons évidemment à la mettre en pratique. Et ça, ça veut dire chercher constamment à se convertir. Donc première condition du disciple après la résurrection, c'est celui qui cherche sans cesse à se convertir selon la parole de l'Évangile. La deuxième chose qu'il leur demande, c'est d'être dans l'amour du Père. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être dans l'amour du Père? Ben, ça veut dire regarder Jésus, qui lui est sans cesse dans l'amour de son Père, et c'est bien cela qui lui donne la possibilité d'aller jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Être dans l'amour du Père, c'est d'abord se savoir aimer. Prendre tous les jours davantage conscience que nous sommes aimés du Père, mais d'une façon inconditionnelle, entière. D'une façon telle que j'ai envie de dire, nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons pas aimés du Père. L'amour paternel ne pose pas de conditions ou de raisons à l'amour qu'il donne. Il aime ses enfants, pas simplement parce qu'il est père. Donc être dans l'amour du Père, c'est d'abord se savoir aimer. Aimer entièrement tel que nous sommes et pas tel que nous voudrions être. La deuxième manière d'être et indissociable d'être dans l'amour du Père, c'est de l'aimer en retour. C'est-à-dire d'être dans la gratitude, dans la disponibilité et la joie de celui qui se sait tellement aimé qu'il arrive à aimer même quand c'est difficile et même quand c'est pas spontané. Et la troisième expression d'être dans l'amour du Père, eh bien, c'est entretenir le dialogue avec Dieu, c'est-à-dire de mener une vie de prière. Donc Jésus nous demande de demeurer dans cet amour qui vient du Père, qui est passé par lui, et donc de demeurer dans la prière. Et il ose même nous dire de prier sans cesse. Pas pour nous dire de rester à genoux toute la journée, c'est certainement pas ça, mais c'est de dire d'être dans un esprit de prière qui par certains moments privilégiés nous habite sur l'entièreté de notre existence, de nos choix, de nos rencontres. Donc après garder la parole, être dans l'amour du Père, il nous annonce quelque chose d'extraordinaire. Nous ferons chez le disciple notre demeure. Donc, jusqu'à présent, le croyant, il a toujours l'impression de devoir aller vers le lieu où demeure Dieu. Il se rend au temple, il se rend dans le sanctuaire, il se rend dans le lieu où il peut faire la rencontre du Seigneur, tout en se disant, le monde, il est profane. Le monde, il est séculier, il est séparé de Dieu. Par contre, il y a des lieux saints où Dieu se rend présent et là, je peux le rencontrer. Voilà la mentalité spontanée qui traverse toutes les religions et en particulier, évidemment, celle d'Israël. Ce que Jésus a révélé, c'est que désormais, Dieu ne se rend plus présent dans le temple fait de pierre, puisqu'il est appelé à être détruit, à disparaître, mais qu'il se rend présent dans le temple nouveau. Ce temple nouveau, ce n'est pas une église, pas une chapelle, ce n'est pas une cathédrale. Ce temple nouveau, c'est Jésus en son corps. Qui m'a vu a vu le Père, dit-il dans ce même discours d'adieu à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Mais désormais, après sa mort et sa résurrection, ce n'est plus dans la présence physique de Jésus, mais dans sa présence corporelle, mais de son corps mystique. Son corps mystique qui est présent dans le monde et où nous pouvons rencontrer Dieu. Et où est ce corps mystique? Eh bien, dans l'Eucharistie. Il est dans l'Eucharistie, c'est vrai. Mais il est aussi dans chacun des membres qui sont renés par le baptême et qui se nourrissent de l'Eucharistie. Donc ce corps-là, il est dans chacun de ses membres. Donc quand Jésus annonce que nous ferons chez lui notre demeure, ça veut dire que le disciple, baptisé, vivant de son baptême, se nourrissant de l'Eucharistie, et puis des sacrements et de la parole de Dieu, il est présence de Dieu.
Et donc, désormais, il nous est donné de pouvoir nous tenir en présence de Dieu à travers la vie des disciples. Donc, ce que l'on appelle l'habitation de la Trinité, l'inhabitation trinitaire, qui commence le jour de baptême, le jour où nous sommes baptisés au nom du Père, au nom unique, je rappelle, au nom unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le commencement de cette vie de croyant qui fait de nous une demeure de Dieu. Alors vous me direz, cette demeure, il y a des jours, on a l'impression qu'elle aura un petit peu besoin de ravalement et de refaire la couverture. Hein. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche que la promesse de Dieu tient. Même s'il y a des travaux à faire, même si on peut la rendre plus accueillante, même si la porte n'est pas assez large, même si les fenêtres ne donnent pas assez de lumière, même si le feu dans la cheminée s'éteint un peu, ça reste quand même la demeure de Dieu. Donc rappelons-nous vraiment ces promesses essentielles de Jésus. Le disciple est celui qui garde la parole, celui qui demeure dans l'amour du Père et celui en qui Dieu habite. Dieu, Père, Fils et Esprit. Mais pour que cette habitation trinitaire porte son fruit, pour qu'elle fasse signe à celui qui veut rencontrer la personne vivante, l'être vivant de Dieu en personne, Père, Fils et Esprit, ça suppose eh bien, que nous vivions de l'Esprit-Saint. Donc il faut rallumer le feu. Il faut faire flamber la cheminée, il faut faire pénétrer la lumière dans la maison, il faut que tout cela, ça vive et ça rayonne, pour que d'une façon qui nous dépasse toujours, hein, Dieu qui habite en nous puisse faire rayonner l'amour et la vie qui sont son être même. Donc l'Esprit-Saint, il vient en nous, pas seulement pour nous rassurer quand ça va mal, ou pour nous aider quand vraiment nous disons, là on ne s'en sort plus tout seul, donc tu viens faire quelque chose. Il est en nous pour agir dans le croyant. Et d'agir comment ? Jésus nous le dit lui-même, il viendra en vous, hein, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Nous parlions tout à l'heure, en passant devant les usines, de la mémoire, des archives à garder, des archives papier qui prennent tellement de place, puis des archives numériques. Ben nous n'en avons pas besoin de construire un centre d'archives, ni de numériser la parole de Dieu, puisqu'elle habite en nos cœurs. Et qui fait le travail ? L'Esprit-Saint. Mais ce n'est pas une mémoire passive, hein, de stockage de données qu'on ne comprend pas, c'est une mémoire active, qui fait revivre constamment en nous les paroles, les événements, les actes par lesquels Dieu agit en nous. Qui nous fait nous ressouvenir d'une parole échangée sur le chemin au moment où ça montait, où il faisait un peu chaud. Qui nous fait nous souvenir de quelque chose que nous avons entendu dans la célébration de l'Eucharistie ou de la pénitence. Qui nous fait nous souvenir d'un texte qui nous a touché ou d'un partage. Voilà. Et pas nous souvenir des mots exacts, parce que vous vous rendrez compte que... Quand on redit les choses, on ne redit pas avec exactement les mêmes mots qui ont été dits à ce moment-là, si nous avions un enregistrement. Mais justement, c'est encore mieux, parce qu'on va les redire avec nos mots à nous. Ce sera la même vérité, la même parole, mais redite avec les mots à nous, c'est-à-dire la façon dont elle vit en nous. Et c'est ça le travail de l'Esprit-Saint. Il fait une mémoire active en nous, et pas une mémoire passive. Donc l'Esprit-Saint nous... agit dans le croyant comme une mémoire active, il lui fait se souvenir des paroles, des actions, des appels de Jésus. Je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. Je me souviens de qui Jésus est pour moi et j'y puise pour aujourd'hui la force de croire et d'aimer et d'avancer malgré la dureté de la vie et malgré ma faiblesse. Donc l'Esprit-Saint, c'est vraiment un enseignant. C'est quelqu'un qui nous enseigne dans la foi, mais qui nous enseigne, j'ai envie de dire, d'un enseignement pratique, ancré dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait connaître le point de vue de Dieu. Alors notre point de vue, ça c'est pas difficile, en général on le connaît bien et on le dit avec force. Ça, il n'y a pas de problème. Le point de vue de Dieu, c'est plus difficile.
Parce qu'en général, ce n'est pas celui qu'on adopte. Alors, il faut lui demander de l'aide pour qu'il nous fasse un tout petit peu changer de perspective et découvrir le point de vue de Dieu. Et pour faire ce travail-là, donc je vous ai dit, hein, notre maison elle n'est pas en super état, etc. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il arrive avec une caisse à outils. Traditionnellement, on cite 7 outils. Mais enfin, vous pourriez en dire 10, 20, 50. Hein. C'est pas limité, hein, Esprit Saint. Mais traditionnellement, il y en a 7. Donc, je vous les donne deux par deux. Deux premiers outils, la crainte et la piété. Pas des mots habituels, ça. Donc, la crainte, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. C'est pas la peur panique. C'est le désir de plaire à Dieu. Cette crainte amoureuse qui nous fait chercher sans cesse qu'est-ce qui va plaire à Dieu dans ma vie. Et la piété, c'est pas une piété formelle de réciter sans cesse des choses, c'est la disposition filiale du croyant qui respecte et aime Dieu. Donc vous voyez, crainte et piété filiale, c'est deux dons de l'Esprit Saint qui se répondent l'un à l'autre. Par la crainte, nous cherchons sans cesse où sont les commandements de Dieu, où est sa volonté, comment je peux y correspondre. Et par la piété filiale, je suis dans l'attitude vraiment de l'enfant qui se sait aimer de façon inconditionnelle et qui peut sans cesse revenir vers son père. Donc, craindre et aimer, ça marche tout à fait ensemble. C'est deux dons qui se répondent l'un à l'autre. Les deux outils suivants, le conseil et la force. Le conseil, c'est bien plus que de donner un conseil, voilà, ou de tenir conseil. Le conseil, c'est le don de l'Esprit Saint par lequel il nous fait connaître où est le bien. Il agit en nous, nous allons en parler, pour que nous repérions où est la lumière, où est le chemin à prendre. Voilà. C'est à droite et c'est pas à gauche, parce qu'à gauche, je vais me retrouver dans le ravin ou me retrouver dans l'impasse, alors qu'à droite, il y a la lumière, même si ça monte un peu, ça va être peut-être plus coûteux. Mais c'est à droite qu'il faut aller. Voilà, ça c'est le don de conseil. Hein. Il nous montre où est le chemin à prendre. Mais oui, mais le don de conseil tout seul, ça ne nous fait pas grimper la côte. Hein. Parce que si on a du jus de carotte dans les jambes et puis qu'on n'a pas bu et tout ça, on restera en bas en disant, bah oui, c'est là qu'il faudrait monter. Mais moi, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Combien de fois j'entends ça? Ah oui, 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 il faudrait être sain, mais moi je ne peux pas. Voilà. Et puis on s'assoit et puis on dit, bah voilà, ça, le chemin s'arrête là. Et là, je leur dis, ben, vous avez oublié le don suivant, ça s'appelle la force. Et ça marche ensemble. Ça ne sert à rien de savoir le chemin si on ne le prend pas. Demandez le don de la force. La force spirituelle, bien sûr. Hein. Donc, ce don de la force, il nous donne deux choses. D'abord, de résister à prendre le chemin de gauche qui, lui, descend et à l'ombre est facile, etc. Puis qui va nous faire tomber dans le ravin. Donc, résister à la tentation. Ça, c'est la première effet du don de la force. Et la deuxième, c'est d'avoir l'énergie pour aller et faire le bien, même quand ça coûte, même quand ça demande des sacrifices, même quand on n'a pas envie et qu'on préférait rester chez soi, ou au lit, ou je ne sais quoi. Donc voilà, conseil et force, vous voyez que ça marche, voir où est le bien et trouver la force de l'accomplir. Je passe aux deux outils suivants, la science et l'intelligence. Alors là aussi, les mots à être pratiques nous trompent. Hein. La science, on sait tout, l'intelligence, on est doué, mais s'explique bien en confirmant qu'ils ne seront pas meilleurs en maths le lendemain de la confirmation, désolé, et ils auront toujours à apprendre leurs leçons, ça c'est voilà. Je suis les conseils qu'on me donne. Donc science et intelligence, de quoi s'agit-il? La science, c'est ce don de l'esprit, qui nous permet de connaître, non pas toutes les choses du monde créé, mais qui nous permet de connaître l'être divin dans le monde que nous habitons. Dieu a un plan, et notre monde créé peut nous parler de Dieu. Mais pour ça, ils font le don d'interprétation de l'Esprit Saint. Il peut nous montrer Dieu présent dans sa création. Ce n'est pas une évidence en soi. Il n'y a pas de preuve au sens scientifique de l'existence de Dieu, il y a des signes. Voilà. Donc le don de science va nous permettre de comprendre Dieu agissant dans la création et dans l'histoire. Donc de percevoir la présence de Dieu.
Et l'intelligence, pas de tout savoir, de tout comprendre, c'est l'intelligence de la parole de Dieu, c'est-à-dire de son message. Donc lorsque nous sommes dans un petit groupe de partage de la parole de Dieu, bien sûr, on va demander le don de l'Esprit Saint, mais tout spécialement son don d'intelligence. Pour que la parole, elle résonne dans le cœur de chacun des membres du petit groupe et que chacun ait une facette du message que Dieu veut nous faire passer à travers sa parole. Et arrêtons de dire qu'il n'y a que les docteurs en exégèse qui peuvent comprendre la parole de Dieu. Non, c'est faux. C'est nier l'Esprit Saint que de dire ça. Bien sûr, ils vont nous aider à comprendre le contexte et à éviter certains contresens. D'accord. Mais la parole de Dieu, elle peut parler à tous ceux qui demandent le don de l'Esprit Saint. Et je peux vous garantir, et je vous raconterai des expériences où les plus pauvres, humainement, ont été ceux qui parfois ont donné la lumière la plus forte sur un texte de la parole de Dieu. Don de science pour comprendre Dieu agissant dans le monde et dans l'histoire. Don d'intelligence pour comprendre ce qu'il nous dit dans sa parole. Et il en reste un. Vous l'attendez tous ? Il y en a que six. Oui. Est-ce qu'il nous manque ? L'amour ? Ah non, c'est pas un des dons. L'amour, c'est un des fruits. Alors, des fruits, il y en a beaucoup. Voilà. La sagesse. Donc, je rappelle, les dons de l'Esprit Saint, c'est des outils. Oui. Les fruits, oui, eh bien, c'est oui, tout ce que ça oui. produit. Alors là, la paix, voilà. La joie, l'amour, la maîtrise de soi. La bienveillance. La bienveillance, etc. La bonté, la longanimité. La fidélité. Voilà, traditionnellement, il y en a comme ça, neuf, mais dans Galates, mais vous pouvez en trouver encore plein d'autres. Là encore, je vous dis, ne soyez pas limités. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Là encore, depuis tout petit, on nous dit, sois bien sage. Et être bien sage, en général, c'est ne rien faire, puisque si on n'est pas sage, on fait du mal. Alors là, c'est le contresens total. La sagesse qui ne fait rien faire, et là, on est dans l'absolue contradiction. La sagesse, c'est tout l'inverse, c'est vraiment le fruit des fruits, enfin, le don des dons de l'Esprit Saint. C'est celui qui nous permet, grâce à l'habitation trinitaire en nous, d'être justement dans le courant de ce que Dieu est en train de faire. Le sage, c'est celui qui répond à la volonté de Dieu. Mais ça ne répond pas simplement du point de vue de l'action et de la volonté, mais ça joue dans son intelligence, ça joue dans ses sentiments, ça joue dans tout son être. La sagesse nous donne d'être dans, l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Être sage, c'est être pas quelqu'un qui est reconnu comme plus doué que les autres, pas du tout. C'est celui qui est davantage dans l'œuvre de Dieu. Donc on reconnaît en lui le sens de la présence de Dieu et de son œuvre. Donc le sage, il va se laisser conduire par Dieu. Mais à certains moments, il va résister comme avec force et tempérament contre la tentation. À un autre moment, il va dire une parole de sagesse, mais pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres, mais parce qu'elle correspond à ce que l'on doit être en train de vivre dans l'œuvre de Dieu d'aujourd'hui, de ce moment-là. Voyez, la sagesse, elle nous met dans le courant de Dieu. Elle nous met en connivence, si vous voulez, un peu avec Dieu. Donc, c'est un peu le don qui couronne les autres, quoi. C'est un peu l'outil, le couteau suisse, si vous voulez, un peu, qui a tous les autres outils avec lui, quoi. Il couronne les autres. C'est pour ça que je le dis tout seul, en général. Les autres, je les donne par couple. Et là, lui, il est tout seul, parce qu'il couronne l'ensemble. Voilà. Donc, voilà. On a la boîte à outils. On est prêt à agir sous l'action de l'Esprit Saint pour cette œuvre de Dieu. Donc, l'Esprit de on dit souvent l'Esprit Saint qu'il est don de Dieu, Il est don de Dieu, ce qu'on appelle le don incréé, c'est-à-dire la personne divine qui contient tous les dons, eux, créés. Il est le défenseur. Alors là aussi, franchement, tous les mots sont piégés avec l'Esprit Saint. Je suis désolé, mais tous les mots, ils sont à double sens. Il est le défenseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce défenseur-là ? Alors, il faut revenir au mot grec, paraclet. Paraclet, parakaleo en grec, ça veut dire celui qu'on appelle à son côté. Donc, en général, c'est le nom que l'on donnait à l'avocat. On est en procès, on risque fort de perdre le procès, on a des ennemis féroces qui nous attaquent, etc., etc. Donc, on appelle quelqu'un à notre côté, d'où le nom de défenseur. Et je trouve que le mot n'est pas très clair quand même en soi.
C'est celui que l'on appelle à son côté, qui va effectivement prendre nos défenses, mais pas pour nous donner raison en tout, parce que parfois on a tort, mais pour nous donner la défense contre tous ceux qui nous font aller dans le sens du monde, c'est-à-dire du monde qui s'oppose à l'action du Christ. Donc il va être à nos côtés pour agir en nous et nous faire avancer sur le chemin des appels de Dieu. Alors, parakaleo, appelé à d'autres côtés, il faut se rappeler ça sans cesse. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu respecte tellement notre liberté qu'il ne rentre jamais par effraction. Devant une porte fermée, même pas à double tour, mais juste fermée, il se tient à la porte. C'est ce que dit Jésus dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne dit pas « je rentrerai », il dit à celui qui m'ouvrira, « je rentrerai et je prendrai le repas avec lui ». On comprend bien que celui qui ne l'ouvre pas, il reste à la porte. C'est en bien la même chose de l'Esprit-Saint. Si nous ne l'appelons pas à nos côtés, comment voulez-vous qu'il agisse? Et nous oublions trop souvent cela, de demander son aide. Nous avons tout reçu par le baptême, par la confirmation, et ceux qui n'auraient pas encore reçu ce superbe sacrement de la confirmation, rendez-vous cet après-midi pour en parler. Nous l'avons reçu, mais évidemment, si la porte est fermée, comment voulez-vous à quoi ça sert un sacrement si on ne s'en sert pas? Eh bien, rien du tout. Donc, demandons explicitement, implicitement le don de l'Esprit-Saint et de façon circonstanciée, de façon à ce qu'il soit à nos côtés. Et maintenant, je vais vous dire deux mots sur les charismes. Charisme, lui aussi un mot souvent très utilisé, ce sont des grâces de l'Esprit-Saint. Mais pas n'importe quelle grâce, hein. Ce sont des grâces qui, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, sont reliées à la communauté, à la communion et à l'Église, directement ou indirectement. Ça peut être des grâces extraordinaires, on parle de charisme extraordinaire, mais ça peut être des grâces tout à fait ordinaires. Des grâces auxquelles on ne penserait même pas, mais qui pourtant contribuent à l'édification du corps de l'Église. Donc elles servent au bien des hommes. Elles servent à l'annonce de l'Évangile, au salut du monde et à la communion de la communauté. Parfois, ce sont de simples qualités, voilà, que l'on ne remarque pas. Parfois, elles sont très particulières, très spéciales. Elles sont des fruits, hein, des fruits alors, du baptême, toujours, mais parfois aussi des fruits du sacrement de l'ordre ou de telle ou telle forme de consécration. Donc, c'est pourquoi je parle des charismes maintenant, parce que pour vivre des charismes, pour les accueillir, il faut demander l'Esprit-Saint. C'est lui le maître des charismes. Donc, il nous aide à les accueillir. Et ce n'est pas si facile, parce que quand on reçoit un don pour le bien de la communauté, ça fait peur. Et en général, on préférait ne pas l'avoir reçu, parce qu'on sait que ça va nous engager plus loin que ce qu'on aurait voulu de nous-mêmes. Donc déjà l'accueillir, sans peur. Ensuite, en l'accueillant, peu à peu le nourrir et le discerner. Le discerner pour toujours vérifier qu'il provient bien du Saint-Esprit et pas du malin. Donc un charisme, ça se reconnaît au fait qu'on l'utilise pour faire grandir la charité. Un charisme qui provoque la division, la médisance, l'exclusion, la peur, bref, tout ça, ben, c'est plus un charisme. Hein. Ça peut être des qualités humaines, effectivement, mais c'est plus un charisme. Donc, discerner le charisme et bien vérifier qu'il mène à la vie. Et nous voilà maintenant à cette dernière étape de l'enseignement qui est le discernement. Donc ça, je ne peux pas vous quitter sans parler un peu du discernement. Donc, qu'est-ce que le discernement ? Le discernement, ce n'est pas le sens courant, c'est-à-dire simplement un acte de la sagesse pratique qui permet de peser le pour et le contre et puis de dire, bon ben voilà, c'est dans cette direction que je vais aller. En général, c'est comme ça qu'on dit, hein. Vous allez discerner, qu'est-ce que vous voulez, et ouvrez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça le discernement dans l'esprit, puisque ça vient de l'Esprit-Saint. Donc il ne s'agit pas simplement de peser le pour et le contre, ou de chercher où est ma volonté. C'est la capacité à reconnaître la volonté de Dieu. Mais pas la volonté de Dieu in abstracto, parce que Dieu veut le bien, le salut des hommes, nous le savons,
mais c'est la volonté de Dieu dans le cours de notre existence, ou dans le cours de l'existence de l'Église, pour chercher à y correspondre. Donc c'est un véritable travail pour reconnaître d'abord en moi ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ensuite dans la communauté, hein, mais d'abord en moi. Donc ce travail de discernement, il est à entreprendre pour se détacher de soi et se rendre disponible à la volonté de Dieu. Donc le discernement, je dirais, ça passe par un acte personnel. On ne peut pas simplement se poser sur les autres, bon, toi tu as le tarif du discernement, tu as discerné ma place. Non, on est tous appelés à entrer dans un travail de discernement. Il faut consentir à ce que dans ma relation avec le Seigneur et dans ma propre acceptation, il y a un travail à faire. Alors le discernement, c'est à la fois se poser des questions, mais aussi se les poser de la bonne manière. C'est tout un processus pour arriver à une prise de décision grâce au don de conseil. Alors je vous donne simplement quelques grands principes de discernement, mais là on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Ça peut être un autre thème, une autre fois. Premier principe, il faut lutter contre des tendances naturelles qui ne conduisent pas vers Dieu. On a tous hein, des tendances naturelles. Là, je ne dis pas simplement le péché, mais ce qu'on appelle, vous voyez, les péchés capitaux, les pentes naturelles que nous avons à ne pas aller vers le bien. Donc déjà, il faut les connaître et lutter contre, parce que très très vite, notre discernement eh bien, il va nous pousser vers là où nous allons simplement spontanément. Donc ça, c'est la première chose. Résister, voilà. Résister à mes pentes naturelles qui ne sont pas des pentes qui conduisent à Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut demander l'indifférence. Encore un piège, l'indifférence, c'est pas n'en avoir rien à faire, c'est être capable de dire, je suis prêt à aller autant à droite qu'à gauche. Parce que si j'ai déjà décidé là où j'ai envie d'aller, c'est très difficile après ça de faire un discernement. Donc il faut faire un travail vraiment intérieur en disant, je sais pas moi, j'aime beaucoup Julie et Amélie, mais ce ne sera pas et Julie et Amélie, voilà, l'une et l'autre. Mais je les aime autant l'une que l'autre. Bon. Ou voilà, je peux servir en faisant le service de la parole ou le service des tables. Alors spontanément, parce que je suis bavard, j'aime mieux le service de la parole, d'accord, mais le service des tables, il est magnifique aussi. Et donc je me mets devant le Seigneur et je compte en plein et l'autre en disant ces deux services magnifiques. Et je suis maintenant indifférent devant toi, Seigneur, pour ces deux services, pour servir la table ou pour servir la parole. Et du coup, en ayant équilibré les deux plateaux de la balance, là, je me rends disponible au discernement. Troisième principe, chercher où va être la plus grande gloire de Dieu. Pas mon plus grand plaisir, pas ma façon de voir les choses, mais simplement la plus grande gloire de Dieu. Et ça, ça va me guider. Et enfin, une fois qu'on a, dans la prière, en se remettant à la volonté de Dieu, fini par arriver à un discernement, il faut vérifier ce discernement. Et comment on le vérifie? Ben, on le vérifie parce qu'il y a une paix qui dure. Un mauvais discernement, il nous donne un petit moment d'euphorie et de peine et ça ne dure pas. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans une grande inquiétude. Alors que le discernement vraiment fait dans l'Esprit Saint, la paix, elle dure. Donc, je vous donne les quatre grands principes comme ça de ce discernement. Et je vais terminer. Je vais terminer en rappelant que le discernement, finalement, il se vit dans la durée. Ça prend du temps. Donc, ce facteur temps, il est à considérer attentivement parce que parfois, on fait des discernements rapides et on ne prend pas le temps de les relire. Alors les discernements importants, ils ont besoin de beaucoup d'étapes de relecture. Donc ça prend du temps. L'enjeu, c'est pas simplement d'avoir fait le bon choix ponctuellement à un moment, c'est de mener une existence personnelle
une responsabilité humaine qui corresponde à la volonté de Dieu. Donc il s'agit de progresser dans une plus grande docilité à la manière dont l'Esprit de Dieu me conduit. Donc vous voyez, le discernement, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une technique, c'est au fond une manière d'être et de vivre. Et le pape, qui pratique beaucoup le discernement, parce qu'il a une formation jésuite, et donc c'est vraiment quelque chose qui l'a nourri depuis ses tout débuts dans la vie religieuse, il dit que finalement c'est une manière d'être et de vivre. C'est-à-dire que ça imprègne tellement la manière d'être qu'on devient des êtres de discernement capables de dire à un moment « Bon, ben non, je discernais que ça c'est pas pour moi », ou à un autre moment de dire « Me voici », ou à un autre moment de... être capable de dire, ben, je vais sacrifier mon envie sur ça, mais j'ai discerné que c'était pas ça, et donc on va aller dans une autre direction. Vous voyez, ça passe de d'actes ponctuels à une manière d'être. Vous pourrez voir ça cet après-midi dans l'homélie du pape François. Donc voilà, je voulais juste terminer en disant, Jésus nous dit, je vais vous donner l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, il vous fera vivre. Et l'Esprit Saint que je vous donnerai, il vous conduira vers la vérité tout entière. Et c'est cela, finalement, répondre à l'appel de Dieu, c'est chercher la vérité tout entière, non pas une vérité ou un moment de vérité, mais la vérité tout entière qui est le Christ. Bonne route. Merci. 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 Merci.